Tu viens d'arriver cette vidéo? Ne la zappe pas, parce que dans cette vidéo, je te montre comment faire un bon choix lorsque tu vas sur le marché faire un achat d'un écran plat. En d'autres termes, dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les différentes évolutions qu'a eu à voir l'écran plat tout au long de notre siècle. Alors, si c'est la première fois que tu passes cette vidéo, like la vidéo, partage la vidéo si tu n'es pas abonné. Parce que s'abonner, c'est gratuit, ça ne gâte rien sur ton téléphone. Alors, lâche-moi un abonnement pour m'encourager. Alors, ne perdons pas le temps et lançons dans les présentations des différents écrans plats qu'on peut rencontrer sur le marché en ce qui concerne leur catégorie. C'est parti! Alors, comme premier écran plat, c'est cette catégorie. Mais celui-ci, c'est une marque Samsung. Mais quand je parle de première sortie, ça veut dire la sortie qui n'avait aucune intelligence à l'intérieur. En fait, un écran plat basique. Écran plat qui vous permettait simplement de regarder la télévision lorsque vous l'allumez. Ça veut dire que dès que vous avez votre câble ou bien votre antenne numérique derrière, vous aviez immédiatement les chaînes. En fait, c'est celle-ci. C'est un écran simple, un écran basique. Vous aviez les différentes options. La TV, l'AV, vous avez le compas qui est toujours la TV. Vous avez le HDMI, tout simplement. Et si vous ne pouvez rien faire avec l'écran si ce n'est de regarder une télévision simple. En fait, si j'avais connecté l'antenne extérieure, vous deviez voir juste les chaînes simplement de ma localité en fonction de votre localité ou bien la localité dans laquelle vous vous retrouvez. Vous deviez avoir les chaînes sur cet écran simplement. Ça, c'est la première catégorie de télévision écran plat qui existe, qui sont sorties, la première version. Donc, si vous allez sur le marché, vous voyez cette version-ci, ne vous dites pas que vous avez la dernière génération d'écran plat. Tout simplement parce que peut-être vous avez vu un écran plat de 60 pouces. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait le choix d'un écran. C'est en fonction des options que l'écran plat vous apporte lorsque vous l'achetez. Celui-ci, c'est l'écran simple, première sortie d'écran. Vous aviez seulement la possibilité de regarder la chaîne que vous procurez vos différentes télévisions nationales dans votre pays. Ou bien, si vous avez peut-être pris une antenne extérieure qui permettait d'avoir des chaînes venant de l'extérieur, vous pouvez vous servir de cette télé. Vous ne pouviez rien mettre à l'intérieur. C'est les premiers écrans plats que beaucoup de personnes ont acheté. Nous allons passer à un autre écran, la deuxième sortie d'écran, ce qu'on appelait les Smart TV. Les Smart TV, vous allez voir ce que c'est qu'un Smart TV. Alors, allons-y, deuxième écran. Je vous ai dit de rester sur la vidéo juste à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous montrer comment transformer cet écran simple ici en écran Android TV. Le deuxième écran est un écran Smart TV. Alors, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Vous avez juste la possibilité de voir la télévision normale de votre localité. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à Internet, puisqu'elle possède une entrée RJ47, une entrée USB et une entrée HDMI. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser quelques applications qui sont fournies à l'intérieur de l'écran. En fait, ici, là, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez ajouter aucune application. Vous ne vous servez que de l'application qui se retrouve directement à l'intérieur de la télévision que vous avez acheté, la télévision Smart TV. Vous pouvez aussi connecter par Bluetooth le son pour pouvoir écouter le son dans les parcs. En fait, cet écran ne possède pas une intelligence complète comme le dernier écran que nous allons voir, tout simplement parce que vous ne pouvez pas ajouter des applications ni retirer. Les applications là sont déjà préinstallées et vous ne pouvez plus apporter aucune modification de cet écran. Comme sur l'application que j'ai constaté qui existe à l'intérieur, nous avons YouTube qui vous permet de regarder cette vidéo aussi que je mets à votre disposition pour vous aider à faire un bon choix d'écran plat. Ne plus vous baser tout simplement sur la grosseur mais sur les caractéristiques de l'écran. Alors, pendant que vous regardez, si vous pouvez me lâcher un pouce bleu et un abonnement, ce serait gentil. Donc, c'est un peu comme ça que se constitue l'écran Smart TV que vous voyez devant vous. Sans tarder, passons donc à la troisième sortie d'écran disponible sur le marché. Alors, le troisième écran plat que je vais vous présenter, c'est cet écran que vous avez devant vous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous allez voir, son allumage même est particulier. Regardez bien comment ça se comporte pendant l'allumage. Vous voyez son démarrage, elle vous donne d'abord la marque de l'écran, n'est-ce pas? En fait, ne vous inquiétez pas pour la marque, c'est la spécificité de l'écran que je veux que vous puissiez prendre en compte. Qu'est-ce qu'elle contient, cette troisième catégorie d'écran plat? Qu'est-ce que celle-ci contient qui va vous aider lorsque vous serez en train de faire le choix lorsque vous achetez un écran plat? Vous voyez son démarrage, elle a un démarrage particulier. C'est un démarrage qu'on appelle le démarrage des écrans Android. Elle démarre particulièrement comme un téléphone Android, sauf que lui, il a son système de démarrage est différent de celui d'un téléphone. Alors, à ce stade-ci, vous allez vous retrouver immédiatement sur le menu. Vous allez constater que son menu est différent des autres. Le système charge lorsque vous le démarrez. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez plusieurs options. Vous pouvez mettre de la Wi-Fi, vous pouvez mettre un câble Internet à l'intérieur. Il a aussi des sorties HDMI. En fait, c'est devenu comme un écran, comme on peut qualifier d'écran intelligent, avec lequel vous pouvez allier différentes applications que vous souhaitez, comme par exemple MyCanal. Application MyCanal, je vous ai montré comment installer cette application sur votre écran Android TV dans l'une de mes vidéos. Si vous allez sur ma page, vous allez voir la vidéo et ça peut vous aider si vous avez un écran pareil. Vous pouvez encore installer beaucoup d'autres applications telles que peut-être les applications qui permettent de partager les fichiers de votre téléphone à votre écran. Vous avez aussi des applications préinstallées telles que YouTube. YouTube qui est là, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez accéder à YouTube et suivre directement vos vidéos YouTube immédiatement sur votre écran. Et vous pouvez installer, comme je vous ai dit, d'autres applications de télévision là-dessus. En fait, vous pouvez aussi installer même d'autres applications comme TikTok sur votre
votre écran Android TV. Il suffit juste de faire le bon choix de l'écran Android TV et je vais en venir là-dessus avant la fin de cette vidéo. Retenez que le troisième style d'écran est l'Android TV. Et je crois que c'est l'avant-dernière version d'écran qui est sortie sur le marché. Maintenant, il y a une autre version qui vient d'arriver mais qui n'est pas encore disponible peut-être à la consommation du public. Cet écran-là qui fonctionne sans être branché, qui fonctionne comme un téléphone mais qui a aussi les options Android à l'intérieur. Donc en fait, c'est un téléphone mais nous ne sommes pas encore là. Nous allons nous attarder sur cet écran Android TV-ci. Dans l'écran Android TV, il y a deux versions d'écran Android TV. Vous avez celle qui a le système de démarrage comme celui-ci que vous avez et je vais vous montrer une autre qualité d'écran Android qui a un autre système de démarrage. Celui-là, vous allez voir que c'est vrai, il a un défaut que je vais vous dire parce que j'ai utilisé les deux. Il ne prend pas en considération toutes les applications Android qu'on installe. Par contre, cette version avait ce style de démarrage. Si vous avez bien vu le démarrage du début, n'est-ce pas? Si vous voulez, je le remets pour que vous voyez. Ça va beaucoup vous aider. Regardez, son démarrage est comment? Mettons le démarrage. Vous allez voir, je mets redémarrer. Ok? Vous allez voir comment il démarre. Vous allez voir que celui-ci, sa particularité, c'est qu'il prend en compte beaucoup d'applications Android qui s'installent même sur votre téléphone. Comprenez bien ce que je vous dis. Vous l'installez là, il peut prendre ça en compte et le faire fonctionner. Alors, notez bien cet écran. Je vais vous présenter maintenant un autre écran Android TV après celui-ci et vous verrez que son démarrage aussi est un peu différent, mais sa particularité, c'est que j'ai constaté qu'il ne prend pas en considération toutes les applications Android TV qu'on installe à l'intérieur. Alors, maintenant, lorsque vous allez sur le marché, vous verrez que vous serez plus armé ce qui concerne le choix de votre écran. Alors, allons-y voir l'autre catégorie d'Android TV. Et après, à la fin, je vais vous montrer comment transformer votre écran simple. Vous avez vu au début, on a vu la première sortie d'écran compte que j'ai appelé écran simple. Je vais vous montrer comment transformer cet écran simple en Android TV si vous n'avez pas de l'argent pour changer d'écran. Je vous montre comment transformer votre écran simple en écran Android TV. Alors, allons-y sur le dernier écran. Vous allez voir même son allumage est particulier. Voici le deuxième écran plat qui a un mode de démarrage différent par rapport à celui que nous avons vu tout à l'heure. Cela est dû à son système Android qui est installé à l'intérieur. Alors regardez bien comment il démarre. Vous avez vu, celui-ci, j'ai remarqué que dans son utilisation, il ne permet pas l'installation de toutes les applications à l'intérieur car certaines applications que j'ai testées ne réussissent pas à s'ouvrir dans cet Android TV-ci. Peut-être c'est leur système qui nécessite encore une mise à jour pour permettre l'installation de ces différentes applications-là, je ne sais pas. Mais j'ai constaté qu'en utilisant cet écran Android TV, il y manque des possibilités d'installer des applications qui sont très utiles aussi à l'écran et d'autres applications qui fonctionnent sur le téléphone n'arrivent pas à fonctionner sur cet écran Android TV. En tout cas, ici, je vous donne des conseils pour vous aider à faire le choix lorsque vous achetez votre écran. Donc, quitte à chacun de maintenant, lorsqu'il est sur le marché, de savoir ce qu'il fait. Parce qu'ici, je ne privilégie pas un écran par rapport à l'autre, mais je donne mon avis en fonction de l'utilisation que j'ai eu à faire sur ces différents écrans Android TV là. Si vous avez constaté, je ne mets pas en avant la marque de l'écran, mais plutôt la fonctionnalité interne de différents écrans que je mets à votre disposition pour que lorsque vous êtes sur le marché, en fonction de votre budget, vous pouvez choisir telle marque ou telle marque tout en tenant compte de la fonctionnalité qui se trouve à l'intérieur. Comprenez maintenant que lorsqu'on parle d'Android TV, on a une mémoire interne qui est allouée à l'écran pour permettant d'installer d'autres applications. Et lorsqu'on parle de Smart TV, on n'a pas de mémoire interne qui vous permet d'installer d'autres applications. Vous ne vous servez que des applications qui sont installées à l'intérieur. Alors à ce stade de cette vidéo, nous allons essayer de faire un résumé pour nous aider à comprendre tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Arrivé à ce stade de cette vidéo, vous méritez qu'on fasse un bref résumé de tout ce que nous avons parcouru tout au long de cette vidéo et que je vous montre aussi comment transformer votre écran simple en écran Android TV comme celui-ci, si vous avez payé un écran simple comme celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons vu tout au long de cette vidéo? Nous avons vu qu'il existe trois types d'écran plat. Nous avons vu que l'écran plat a évolué suivant trois évolutions tout au long de ce siècle. Il y a l'écran simple qui nous permet juste de regarder des chaînes que nous recevons de notre câble. Nous avons l'écran Smart TV que je n'ai pas ici avec moi, mais que nous avons vu dans la vidéo, qui nous permettait juste d'avoir des applications préinstallées telles que YouTube et bien d'autres, dont on ne pouvait pas apporter des modifications dans l'écran en y ajoutant d'autres applications. Nous avons aussi vu comme dernier écran l'écran Android TV, qui est celui-ci où nous avons un système Android TV installé à l'intérieur, où nous pouvons mettre des applications venant du téléphone, venant même de l'écran Android à l'intérieur. Nous avons vu aussi qu'il y a deux types d'écran Android TV, celui qui a un système de démarrage particulier et l'autre qui a un autre système de démarrage particulier. Nous avons vu pourquoi il est important de prendre celui qui avait le système de débarrage convenant à cet écran que nous avons vu tout au long de la vidéo. Alors,
Si vous voulez savoir comment transformer l'écran simple si que vous avez en écran Android TV, c'est simple. Il vous suffit juste d'acheter une Box TV. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'une Box TV. J'ai fait une vidéo là-dessus dans ma page sur cette Box TV, comment elle fonctionne. Alors je vous conseille, si vous n'avez pas un écran Android TV, de ne pas vous casser la tête si vous voulez bien. Mais si vous voulez changer d'écran, ça dépend que de vous. Mais si vous n'avez pas les moyens de changer, achetez juste cette Box TV ici qui vous permettra, grâce à la sortie HDMI que vous avez derrière cet appareil, vous pouvez envoyer l'image de cette Box TV à votre écran et ainsi le transformer en écran Android TV. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo, comme je vous ai dit, sur ma page qui dépeint exactement ce que c'est qu'une Box TV. Alors, je vous conseille, lorsque vous voulez acheter une Box TV, de chercher une Box TV qui a au moins 4Go de RAM. Pourquoi 4Go de RAM? Parce que si vous avez 4Go de RAM, vous avez au moins 32Go de mémoire interne. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis merci. Je vous dis de continuer de vous abonner et je remercie tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Alors, à une prochaine vidéo.